Salutations voyageurs, nous nous retrouvons sur Elden Ring. Dans l'épisode précédent, nous devions chercher un certain sorcier que nous n'avons pas trouvé, et il est là. Et regardez, c'est dans l'antre de Celia, et on est allé dans l'antre de Celia deux ou trois fois, mais on l'a jamais trouvé. Et j'ai regardé sur internet, et c'est pour ça que je l'ai trouvé d'ailleurs. Sinon je l'aurais jamais trouvé, hein. Je suis mauvais, hein. Le joueur français est mauvais. Et le voilà. Bonjour. Étoile de la perdition. Ah. Repose en paix, sorcier. J'irai apporter ton message à mon maître. Bon bah il est mort. Ce sera une bonne nouvelle pour mon maître. Mais bon. Avant toute chose, avant d'aller ramener le message à Selene, on va avant toute chose aller chercher une petite armure que j'ai ratée ici. Voilà. Le 7 d'azur. On va l'essayer, hein. Ah ouais, j'aime bien. Oula. Ouais, c'est bien comme ça. On va quand même mettre le casque, hein, mais bon. Bon, le casque, j'aime pas trop, mais c'est un détail, hein. On va enchaîner avec un PNJ que j'ai croisé. Coucou, allez, parle-moi. Oh, yes. Some Claude turned. You were just breaking the spell. Well, thank you. I was pushed out of the cave. Then I ended up as a tree. Lucky you came. Oh, when they threw me out of the cave, they took. So this is all I have to express my. I hope you. Il m'offre des champignons, quoi. Well, if you can afford, I could sneak back into the cave and bring back something. Then I'd be of some real use. Right, my knees start knocking. Just thinking about. Ok, la grotte sur la côte. Right, en avant par la grotte sur la côte. Bon, ça va, on n'a pas galéré à le retrouver, hein. You must leave this place. Tiens, prends une aiguille à coudre. Après, je sais pas à quoi ça va te servir, mais vas-y, tiens. Cadeau, hein. Ça va? What made you go into a thing? My mum was a seer, and that sewing kit was. All I had to. I always wanted to be just like sweet old. Then I suppose I can't. Ah ouais, carrément. Je vais donner une raison de vieillir. Very kind. I always wanted to be a seamstress like my. Then I suppose I. Bon bah on va enchaîner. Heureux. On se retrouve enfin. Que pensez-vous de cette armure? Honnêtement, moi j'aime bien. Le seul défaut, je trouve, c'est le casque. D'ailleurs, l'armure me donne des yeux jaunes. À la base, j'ai les yeux rouges. Du coup, l'armure change la couleur de mes yeux. Et bien sûr, on se retrouve dans la grotte que nous n'avons pas trouvée dans la vidéo précédente. La caverne du sage. Du coup, on va explorer cette caverne. Et bien sûr, vous inquiétez pas, on va aller voir Selene incessamment sous peu. On fait cette caverne et on va aller voir Selene pour voir ce qu'elle a à nous dire. Bon, malheureusement, on a que des mauvaises nouvelles à lui rapporter, quoi. Son ami est mort. Salut, toi. Ok, on peut faire un saut de cabri, je crois. Ouais, peut-être pas.
Peut-être pas. Hein. On va rester sage. Ah, deux coffres, il y en a sûrement un piégé. Hein. Bon, une petite émote, l'émote du fail, bien sûr. Cendre de guerre. Perdu. Aucune piégée. Étonnant. D'ailleurs, on va mettre la lanterne. Comme ça, ça fait double lumière. Voilà, calmez-vous. Vous connaissez votre place, pas de minable. En avant. Bah attends, peut-être on va aller là-bas. Hein. Je sais pas où. En vrai, je sais pas du tout où aller. Putain, 4 coffres. Alors là. Papillon naissant, ok. Bouclier, ok. Capuche noire. Et une patte de volaille, enfin 5. Il y aura un peu la capuche noire. Ouais, c'est moche. Hein. C'est très moche. Honnêtement, le jeu est généreux là. Hein. 4 coffres plus 2 avant, ça fait 6. 6 hein. Dans une seule grotte. Yo, minable. Ah, bien joué. On va bien sûr achever cela. Hein. Allez, viens ici. Ah, bien joué. Voilà. Bah on enchaîne les coffres. Hein. Il y en a forcément un qui va être piégé. Hein. Ils vont pas tous être généreux. Clé de la pierre, ok. Pour l'instant c'est très la générosité cette grotte. J'ai bien fait. Bah non mais arrêtez. Hein. J'ai l'impression de pas les mériter tous ces coffres. Bon après il n'y a pas des trucs de ouf hein. Serre de rapace. Encore une arme. Regardez toutes ces armes. Ok on peut jouer à Wolverine quoi. C'est moche. Ouais, je suis pas fan moi. Pas fan de ce genre de choses. Saut nécessaire. Hein. On a l'embarras du choix. Ok, il y a le boss là, du coup on va aller de l'autre côté. Hein. Avant de tuer le boss. Encore deux coffres. Aïe aïe aïe. Cette générosité. Masque squelettique. Oh! Putain. Putain, c'est beau. Hein. Et fais voir un peu le masque squelettique. Il y a un certain style hein, quand même. Le style est présent. Bon, il y a deux entrées au boss. Au moins, comme ça, on risque pas de le perdre. Hein. Ah, c'est peut-être pas le même. Il y a deux boss, quoi. Salut, nécromancien. Tu as l'air très faible. Après, peut-être que je te sous-estime légèrement.
Non, je ne sous-estime pas. Je crois même que je te surestime un peu. Voilà, bien joué, minable. Un minable. Tête du clan. Tu veux voir un peu le talisman? Je le vois pas, je l'ai raté. Bon, on va dire que c'est rien. Bon, on va dire que c'est rien. Du coup, il y a deux boss, c'est ça? Parce que de toute évidence, c'est pas la même entrée. Enfin, il n'y a pas la deuxième entrée, du coup, on va aller voir. Il y a vraiment deux boss dans la même grotte. Ouais, il y en a deux dans la même grotte. Bon, j'ai bien fait de pas utiliser mon chevalier limier. Je pense que... Oh non, c'est un assassin, c'est moi. Les assassins, on sait qu'ils font pas le poids face à moi. Je peux limite le laisser à mon limier. Hein. Je pense que mon limier peut le battre. On va quand même aller lui donner un coup de main. Hein. Putain, il a l'œil, hein. Moi, j'ai pas le même œil que lui, hein. Bon. Ah, bien joué. J'avoue, je m'y attendais pas. Salamana. En vrai, je pense que... Voile occultant. Intéressant, ça. C'est une cape? Non, je me dis c'est sûrement un talisman. Voile occultant. Ouais, voilà. Il fait quoi? Dissimule le porteur aux yeux des ennemis éloignés lorsqu'il est accroupi. Ok. Non, ça fait rien. J'ai cru que ça allait me mettre en fufu, mais non. Bah très bien. Elle était très bien cette grotte. On va enchaîner avec un autre endroit que j'ai raté. Je crois que ça c'est ici qu'on trouve l'endroit en question, même si j'ai un léger doute. Ouais, c'est ici. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez, cette statue-là, j'ai jamais trouvé comment la casser. On va laisser lui en vie, là. Et en fait, ce serait bien qu'il fait une très grosse attaque pour le casser. Mais je sais pas s'il en est capable, lui, tu vois. Je sais pas s'il faut aggro à un autre ennemi. Tape ici. Voilà. Oh. Bah, j'ai raté ça aussi apparemment. Ah non, je l'ai pas raté. Sinon j'aurais pu le loot. Mais ça, je sais pas du tout comment on le casse. Chercher Colosse. Ah! L'oiseau, vous pensez? Ça me paraît très étrange que l'oiseau arrive à casser ça. On va essayer, on sait jamais, c'est un malentendu. Même si le malentendu me paraît obscur. Ouais, non.
Du coup, c'est sûrement un autre ennemi. Apaté Kolos. Ah ouais, c'est vrai qu'il y avait un géant là-bas. C'est bon, je me souviens, il y a un géant à la porte. Mais il vient aussi loin? Bah apparemment ouais, hein, sinon il le dirait pas. Bon bah c'est bien, j'espère que c'est un bon loot, hein, mine de rien. Alors je préfère vous dire, c'est pas ça l'endroit que... dont je vous parlais, hein. C'est un autre endroit que j'ai raté, rassurez-vous. Et comme je peux récupérer l'item, on va le récupérer, hein. Allez, allez. On va aller doucement, hein, pour pas le perdre. Ça reste un géant, hein, c'est assez débile. Alors, je suis désolé, hein. Il m'a fallu énormément de temps pour récupérer cet item. C'est mon côté idiot. Merci. Merci beaucoup, géant. Ouais, bon, c'est... c'est des items assez médiocres, mais bon... D'ailleurs, il y a une porte fermée là-bas. Ok, ça s'ouvre de l'autre côté. Ah, comme quoi, j'ai pas raté que ça, hein. J'ai raté beaucoup de choses, j'ai l'impression, ici. Mais en gros, la zone que j'ai ratée, c'est ici. En gros, je peux... Attends, on va équiper le truc du choc, quand même. Au cas où, hein. Oula, on a descendu un poil vite. Un poil vite à mon goût. Voilà, on progresse un... Essayez arc. Pourquoi? Pour tuer les rats? Quel intérêt? Mais en gros, voilà la zone que j'ai ratée. Alors, normalement, ça devrait être assez simple. Hein. Au vu de notre level, normalement, on doit rouler sur la zone. J'entends un loot. Voilà. Invocation, ok. Invocation vindicatif. Ok, il y a un loup violet. Oh, salut toi, on se connaît. Normalement ça devrait aller, hein. Ne vous inquiétez pas. Normalement on est overpower par rapport à lui. Voilà. Bon, une graine d'or, j'ai bien fait de ouf de venir ici. D'ailleurs je vais regarder quelque chose vite fait. Oh, j'en ai 6. Ça veut dire que je peux améliorer mes trucs, hein. Ok, c'est... c'est pas celle-là qu'il me faut, c'est des incubés de je sais pas quoi, là. Pour la dernière zone de la tour, hein. Il me manque une. Je la trouverai un jour, hein. Ok, une échelle.
Escroissance du prince de la mort. Mais... tête droit devant. On progresse, hein, vous inquiétez pas. On visite. On visite moult choses. Mais c'est bien, ouais, je vais pouvoir avoir une potion de plus. J'en ai déjà 12, je vais en avoir 13, quoi. À la fin du jeu, j'en aurai 75. Ça va être assez ouf. Ce sera au secours l'intuable. C'est une zone où je suis déjà venu, ça. Ouais, je m'en souviens. On va retourner à la chambre. Parce que j'avais vu un truc en face. Du coup, j'aimerais bien voir si je peux y aller. Là-bas, là. Mais le problème, c'est que j'ai aucune idée de comment y aller. C'est là. Non, j'ai vraiment aucune idée de comment y aller. Peut-être en partant de l'échauguette. On va voir. Alors désolé, hein, c'est l'exploration, mais c'est le but du jeu en même temps. C'est le but du jeu, de faire de l'exploration. Ah, peut-être par là. Ok, on arrive là. Ah, peut-être en descendant là, on va avoir... Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Hein. Ouais, voilà, peut-être que non. Ouais, peut-être que non. Bon, c'est pas grave, je vais tuer ces deux-là. Et dans la prochaine vidéo, je chercherai un moyen d'y aller hors vidéo, justement. Puis si je trouve le moyen, bah, on ira ensemble. Ah, mais d'ailleurs, elle brille toujours, c'était pas cette grotte-là. C'est une autre grotte qu'elle veut que je découvre, ce machin-là. Ok, ça veut dire qu'il y en a une autre. En fait, comme j'ai trouvé celle-là, j'ai abandonné. Bon, c'est pas grave. On va aller ici, là. Parce qu'en gros, j'ai... je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais pas trouvé le moyen d'y aller. Mais en fait, c'est tout con. Le moyen, il est là. Regardez, le pont est là. Et en fait, j'avais pas capté que c'était un pont naturel. Alors que je suis passé devant, hein. Mais c'est comme ça, hein. Du coup, on y va. Mais c'est bien, moi j'ai l'impression d'un peu progresser. Oula. Oula, double fausse manip, hein, le joueur français est fatigué. Mais c'est cool, hein, c'est assez la détente, on explore. T'as pas le droit, la personne est sacrée.
Ah c'est vrai, il faut que je vais voir Selene quand même. Il faut que je vais voir Selene un jour. C'est l'armure que j'ai sur le dos qui me le rappelle. Hein. Parce que mine de rien, elle attend des nouvelles de son ami et moi je sais qu'il est mort et là... Bon, avant de mourir, il m'a donné un sortilège. C'est un homme généreux. Regardez, en plus on le voit. Hein. Le pont est là, voilà. Voilà, on va tuer quand même des PNJ, hein, histoire que vous ayez votre dose de sang. Êtes-vous suffisamment diverti? Salut toi! Aïe! Respectez mon autorité! Voilà! Alors là-bas il y a une échelle. Il y a des loot aussi. Épée courbée de charognard. Le problème c'est que j'ai tellement d'armes. Non ça va, je l'ai retrouvé. Oh elle est stylée hein. Elle est stylée, du coup je vais pas l'équiper. D'ailleurs normalement ici il y a un PNJ justement qui vient vous attaquer. Le machin aux 1000 bras là. Mais comme vous savez, j'ai cherché après cet endroit pendant longtemps. Du coup j'ai tué le PNJ. Bon apparemment il repop pas. Bon il a... Il aurait pu repop, hein, il était assez naze. C'est comme après la vidéo, hein, je vais passer une heure à chercher le moyen d'aller... d'aller à l'endroit où j'ai pas réussi à aller. Eh ouais. Eh ouais, ouais, ouais. On explore, on s'explore. Oh bah. Oh bah. Ne tuez pas mon cœur. Ah. Chien. Aïe aïe, ça pique hein. Ça picote un peu les flèches que j'ai dans le corps là. Oh salut. Vous avez l'air de bien vous amuser. Arrêtez, arrêtez. Arrêtez, 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 c'est pas drôle. La blague n'est pas drôle. C'est beau, hein, mine de rien. Alors là, il y avait un boss, on l'a tué il y a une dizaine de vidéos. Wouah! Je suis un porc épique. C'est assez marrant à voir comme scène. Hein. Enfin, marrant. En gros, ils étaient là en mode on va t'exécuter. Moi, je trouve ça marrant. Ah! Salut, minable! Voilà, prenez ta place. Voilà. On galère hein, face à ses ennemis. Non, y a rien. Je pense qu'il y a rien. Je pense. Donc je suis, hein, forcément. Classique, hein, du loot. Du loot, toujours du loot. Salut, minable.
Mais ça fait extrêmement plaisir de pouvoir visiter cette zone. Oh, on monte haut là. Il y a l'air d'avoir un feu de camp là, on va aller voir. Oh. Salut, Papa Noël Noir. Welcome, valued customer. Please. I'm hungry. I've been... T'inquiète pas, je vais t'acheter tout ce que tu possèdes. Ok, le full set de confesseur. Grand carreau explosif. Ouais, peut-être pas. Non, j'ai rien à vendre. Je te remercie, mon ami. Ok, on peut encore monter là. Je vais juste jeter un coup d'œil en bas, là. Non, ok, y'a rien. Bon, moi, j'ai pas perdu mon temps, hein. J'ai eu une armure. Bon, même si elle m'a coûté un poil cher, je trouve. En vrai, j'ai pas regardé. Non, elle m'a rien coûté, elle m'a coûté 6000. Enfin, le vendeur m'a coûté 6000, je crois que j'avais 30 000 âmes. Ça, c'est ouf, hein. La vidéo fait 28 minutes. Et on a plus progressé dans cette vidéo que dans la précédente qui fait une heure, quoi. Salut, minable. Je me demande ce que ça fait là, une fois la barre remplie. Est-ce que ça me tue ou ça fait simplement des dégâts? C'est très handicapant de se battre en monture. Voilà. C'est quand même vachement plus simple comme ça. Oh! Les yeux d'ambre. Voilà. Apprends le respect, minable. Même pas, je descends toute ma monture pour un ennemi comme lui, hein. Ah merde, il y avait des épées en haut. Oh là-bas, il y a un truc, ok. On va d'abord aller chercher le lore qui est en haut. Ce serait dommage de partir sans, quoi. Après, j'ai été stupide, hein. J'étais en haut il y a 2 secondes. Oh. Ça fait longtemps que j'ai pas affronté de nudistes. Voilà. Bah ça fait longtemps mais ils sont toujours aussi faibles. Oh, y a une grotte. Aïe. On s'est assez éloigné du volcan pendant 2 vidéos mine de rien. Ne vous inquiétez pas, on retournera au volcan pour continuer l'exploration. Simplement, moi, j'ai voulu aller un peu en arrière. Pour explorer ce que j'ai raté justement. Ok, moult nudistes. On se prend des coups, hein. On se prend des coups, mais c'est les risques du métier, hein, comme on dit. C'est quoi ça là-bas? Voilà.
Respectez-moi, t'es minable. Bon, bah, on a trouvé le boss assez facilement. Bon, par contre, je pense qu'on n'a pas tout exploré de cette grotte. On a dû rater énormément de choses. Ouh! C'est un rat magicien, c'est ça? Avec les yeux violets. Ça reste stylé, hein. Bah, ridicule. Canon jarre, ok. T'en penses quoi, très cher limier? Bon, ok. C'est vrai que je suis navré de t'avoir appelé pour ça, quoi. Je le dérange de sa sieste pour affronter un ennemi mineur. On va continuer l'exploration. On a dû rater énormément de choses. Silence rat. Reste silencieux. Et marche à l'ombre. Je suis perdu. Vous pensez que j'ai tout exploré ? Ouais, on va dire que j'ai tout exploré. On va sortir d'ici. Très plaisant, hein. Enfin, très plaisant. Très plaisant de découvrir des nouvelles choses. On a découvert une reine rat qui faisait de la magie. Bon, allez, let's go. On va continuer à progresser. On va aller voir les épées là-bas. Pour le lore, bien sûr. L'amour du lore, que je ne lis pas d'ailleurs. Ça passe. Bon, j'ai un léger doute. Ouais, j'ai un léger doute. Bon, au moins on n'est pas mort, faut voir le bon côté des choses. Même si on aime vivre dangereusement, hein, comme vous avez pu le voir. J'escalade la montagne avec une échelle. C'est quand même plus simple avec une échelle. Imaginez si je devrais tout faire avec le bouquetin. Le bouquetin me donnerait sa démission. D'ailleurs, il est tellement mort souvent que je pense qu'il a envie de donner sa démission. Simplement, il ne peut pas. Parce que je suis l'élu. Salut, hein. Je vous ai tué une fois, pas deux. L'assaut sur le manoir du volcan, sordide, pervers, profane, abject. Guerre sans fin, dépourvue de gloire. Bon, on va aller voir la grâce là-bas. Puis on va continuer l'exploration, bien sûr. On va d'ailleurs s'asseoir, peut-être que... Peut-être qu'on peut avoir un petit dialogue avec notre très cher waifu. Oui, oui. Think not of the kindling. I shall see to that. All I ask of you is to make the journey to the snowy mountaintops of the giants, far above the clouds. I know I'm asking you to commit a cardinal sin, but it must be done to reach the path beyond. And that is the path I wish to travel. What is your mind? Bah, je sais pas, j'ai pas le droit de te répondre, du coup, bah... On va...
C'est dommage qu'elle apparaît pas à chaque truc. Hein. On va mettre le petit matin. On aime le matin ici. Ah. T'aurais pu rester dormir avec moi quand même. J'ai plus de la gueule, c'est ça? Bon, on peut monter à l'échelle, mais on va le faire à l'ancienne, c'est-à-dire un petit saut de bouquetin. Ouli! Oula! Aïe! Aïe! Laisse-moi me relever. Il fait pas mal de dégâts, lui. Hein. Ah ouais, ça change de l'autre. Hein. On voit bien que l'autre était bien éclaté. Hein. Non, c'est pas un bouclier ça. Ouais, il nous met en difficulté celui-là. Calmez-vous, monsieur, soyez raisonnable. Bon, ça va, il commence à se calmer un peu. Aïe. Ah, non, mais c'est bon, je présentais. Pourquoi je termine mes combos? J'ai l'impression que c'est ça qui me fout dans la merde. De terminer mes combos totalement. Aïe. Calmez-vous. Soyez raisonnable, monsieur. Vous voyez bien que vous ne l'êtes pas. Ah, je pensais être à l'abri. On prend des dégâts. Hein. On prend des gros dégâts quand même. Ah non, non, non. Pas comme ça. Salamada, sayonara. Bon, je savais que j'allais mourir quand je vais commencer à m'approcher du bord. Hein. Genre, quand j'étais au bord de la falaise, je me suis dit, bah c'est bon, je vais mourir. Parce que je suis obligé de sauter et du coup, bah, rip. Hein. D'ailleurs, on va augmenter nos potions. Hein. Non, je vais y arriver, vous inquiétez pas. Et on va se mettre un équipement un peu plus vénère. On va y aller en mode full pot d'air. Là on le prend en sérieux là. Il m'a tué une fois. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Du coup là le full pot d'air arrive. Ok, après il me manque quoi? On va enlever la torche, comme ça on descend en poids moyen. Là je suis en full podère. Le full podère. Je crois que c'est ma meilleure armure hein, pour l'instant. Faudrait que je vérifie, mais en termes de stats. Salut. Ah. Ouais, on prend carrément moins de dégâts. Hein. Arrête d'essayer de boire des potions. Eh ben. Calmez-vous, monsieur. Ouais, on va jouer au bouclier. Question d'être un peu plus safe. On est en train de se rapprocher du bord, ça m'inquiète un peu. Wow.
Je manque totalement de timing, j'ai l'impression. Voilà, j'ai eu le temps de changer. Pourquoi il est moins nerveux d'un coup, hein? Par contre, j'ai changé d'épée en mode je vais faire plus de dégâts, mais en fait, non. Hein. J'ai l'impression que c'est pas le cas. Hein. Ah, j'avoue, je m'attendais pas à ça. Alors, minable. On se croit puissant. Bon, j'avoue, là, j'ai pris un poil de haut. Mais on va prendre nos âmes. Ils sont là-bas. Bien joué, minable. Ah. Ah. Prend moult dégâts. En fait, ce qui serait bien, c'est que j'équipe. C'est peut-être pas le moment. Ouais, c'est peut-être pas le moment. Donc, on a bien évité cette attaque. Que beaucoup de boss que j'ai fait à mine de rien. Ou alors c'est moi qui suis plus mauvais. C'est une possibilité aussi. Ah ouais, c'était sûr. Aïe. Aïe. Moi je confirme, c'est moi qui suis plus mauvais. Hein. Ouais, clairement, c'est moi qui suis très mauvais. Ah. Je m'envole. Ah ouais. Ouais, clairement, je suis très mauvais, hein, navré. Navré de ce qui se passe. De ce qui se passe. Ouais, j'ai eu du mal à le dire. Bon, allez, je suis obligé de le... On va équiper des couteaux. C'est ça que je voulais équiper. On va même en équiper deux. Hein. Et on va enlever le bouclier. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Réinverser les épées parce que j'ai l'impression que je fais moins de dégâts comme ça. Je peux utiliser une rune aussi. Elle est pas équipée ma rune. C'est peut-être un peu... Overkill. Un arc runique, c'est pas une rune. Bah ouais, je suis con. T'es con, Philippe. Oulé.
Yo. Nakama. Oh merde, je suis con. Il fonçait clairement loin de moi et je suis allé dedans. Ah. On va prendre ça. Je pense qu'il n'en a pas besoin. Et on va utiliser un arc runique. Oh là là, je suis full poder. Alors clairement là, s'il me bat, c'est honteux. Hein. 150. Waouh. Les dégâts des couteaux. C'était peut-être pas le meilleur choix dans le jeu de bouclier. Pourquoi ? Ouais, parce que genre, en fait j'ai qu'une arme équipée. Comment c'est possible que je galère contre lui, quoi? Wow. Mais non, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, je proteste. Je proteste contre cet abus. Aïe. Waouh, on a eu chaud. Définitivement, je suis très mauvais. Hein. Et c'est un ennemi que j'ai déjà affronté. Par contre, il était beaucoup plus faible. Hein. Ouais, dommage. Dommage, vu que j'avais besoin d'un bouclier. T'es chiant en fait. Je sais pas si tu le sais. Oh ouais, il est très chiant comme adversaire. Je le trouve très chiant. Ou alors j'ai peut-être pas la bonne approche contre lui. Waouh. Ou alors je sais pas où frapper, vu les dégâts que ça fait. Des fois ça fait 900, des fois 200, des fois 500. Très aléatoire, j'ai l'impression. Trop tôt. Ça me touche pas de là. On est là. Hein. Ah. Ah, j'ai pris deux fois le coup. Bon, j'ai plus de soins. J'ai utilisé une rune. C'est honteux. Hein. J'ai l'impression qu'il faut que je reste collé à lui. Ouais, faut que je reste collé à lui. Ouais, c'est quand même plus simple, hein, j'ai l'impression. C'est juste que j'avais pas la bonne approche. Ouais, clairement, j'avais pas la bonne approche au début. Bon, je sais pas ce qu'il a fait là. Ah, il l'avait pas encore fait, c'est pour ça que j'ai pas su.
Aïe aïe aïe, c'est pas glorieux. C'est pas la gloire. C'est pas la gloire. C'est pas la gloire. Moi j'ai gagné, mais je suis pas fier de moi. Mâchoire de créature stellaire. Ah, je suis pas fier. Je me sens un peu honteux. Où est mon équipement? On va remettre l'équipement beau gosse. Hein. Et bien sûr, l'équipement beau gosse, on l'enlève dès qu'on est en difficulté. Hein. On observe. On cherche après des réponses. Ok, ah ouais, c'est là que j'ai essayé de monter la dernière fois. Ce monde m'appartient. Je suis la reine. La reine de ce monde. YOLO! Oh! Non, là c'est bon. Heureusement qu'il y a le double saut. Sinon, je me serais écrasé comme de, un petit caca en bas. Je pense qu'on a fait le tour d'ici. Hein. Bah, très bien, je suis assez fier de moi. Est-ce qu'il y a un autre endroit où j'ai oublié d'aller? Il me semble qu'il y a un autre endroit où je devais aller après celui-là. Mais je pensais je pensais aller plus vite et ensuite je pense que j'ai oublié. Ouais. Ouais, j'ai oublié. Moi, j'ai oublié, ouais. On va aller voir le forgeron. Je dois aller voir Célène la sorcière, c'est bon, je viens de me souvenir. Quel connard d'avoir oublié. Mais on va lui parler quand même. Hein. Ah, you've defeated General Radahn, unlocking the stars. The general was blighted by scarlet rot and driven to madness. But not long ago, he was hailed as the mightiest demigod. Ah ouais, c'était lui le plus puissant des demi-dieux. There is no parallel to your achievement. Nor to Lady Rani's acute judgment of character. Thanks to you, Lady Rani's fate once again stirs. And the path to Nokron has opened. Descend underground, where the fallen star struck Limgrave, and make it yours. The precious treasure of Nokron. D'accord, et c'est où Nokron? Emblème de Caria. Réduit la quantité de PC consommée par les compétences. C'est de la merde, mais on achète quand même. Hein. Dommage, il peut pas améliorer. Ah, mon épée large, lourde. 22, hein, plus 22. Ça commence à faire. Hein. Là, elle est plus 7. Hein. Parlez, on va lui parler. Blythe wanted me not to bother waiting for him and head straight to Nokron. Blythe has been given an important task, apparently a matter of great urgency. C'est amusant vu que Blythe, je l'ai tué. You need not await Blythe. Descend underground alone, where the fallen star struck, and make it yours, so that Lady Rani may tread the dark path of the Empyrean. D'accord. You need not descend underground. Ok, il répète. So that Lady... Non, je voulais faire à propos de Jaren. Before taking up the banner of General Radahn, he was again an expert swordsman to be sure. It's funny how things happen.
Jeren and I parted ways long, long ago. Yet here he is, playing his part in Lady Rani's fate. I'm afraid I never saw it coming. And I... D'accord. Bon, j'ai bien fait de venir ici, du coup. On va aller voir Rani. Bon, maintenant, Selene, on va aller la voir dans la prochaine vidéo, hein, globalement. Globalement, on a oublié Selene. Hein. C'est là. Voilà, c'est bon. Je galère tout le temps ici, hein, à chaque fois je me perds. Oula. On va rééquiper ce que j'ai déséquipé. D'ailleurs, j'ai trois torches différentes, je sais pas à quoi ça sert. Anti-bête. J'aime pas les bêtes. J'aime pas les moustiques. Même si j'ai un doute que ce soit de ces bêtes-là qui parlent, je pense qu'ils parlent des loups, tout ça. Salut. Bah, dors bien. Toujours un plaisir de venir discuter avec elle, hein, mine de rien. On va aller voir le fou maintenant. D'ailleurs, regardez. Non, non. Pourquoi mes yeux restent jaunes? Mes yeux étaient rouges à la base. C'est quoi qui me donne les yeux jaunes? Aucune idée. Aucune idée. Bon, on va se balader comme ça jusqu'à la fin de la vidéo, bien sûr. Comme ça, si on croise un ennemi, on va devoir mettre des patates. On va mettre des patates de forain. Je comprends pas pourquoi mes yeux sont jaunes. Je vous jure, pendant la création, enfin la modification de mon personnage, ils sont rouges, hein, les yeux. De base. Ouais, je peux peut-être pas mettre des patates à distance comme ça. J'ai peut-être été un poil présomptueux. Salut. Ok, t'as rien à me dire. T'as rien à me dire. Bon, on va aller voir Selene. On va aller là où est Selene et on va terminer la vidéo avant de lui parler, bien sûr. Comme le roi des chiens que je suis. Voilà. Non, je peux toujours pas ouvrir. Bon, c'est la vie. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.